Bonne fin de semaine sur la Second Cut, Madame, Monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Le chef du gouvernement, Gary Conille, a fait sa déclaration du patrimoine le vendredi 12 juillet 2024, un mois après son installation. Le conseil présidentiel de transition CPT appelle les secteurs concernés par voie de correspondance à désigner leurs représentants au conseil électoral provisoire CEP dans un délai de 8 jours. Le comité du dialogue interfemmes annonce l'organisation d'une élection pour choisir son représentant au Conseil électoral provisoire CEP suite à la réception de la correspondance du CPT. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a procédé vendredi au renouvellement du mandat du BINU pour une nouvelle année. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, exige l'application des sanctions à l'encontre du sénateur Yuri Latortue. La chancelière Dominique Dupuy a discuté jeudi avec l'ambassadeur français Fabrice Maurice du renforcement de la coopération entre les deux pays. Près de 130 000 Haïtiens ont demandé de l'asile au Mexique entre 2019 et 2024, a indiqué la Commission mexicaine d'assistance aux réfugiés COMAR. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le vendredi 12 juillet 2024 marque un mois depuis l'installation du Premier ministre Gary Conille. Dans une note publiée par le Bureau de communication de la primature, le chef du gouvernement, accompagné d'autres ministres, a procédé à la déclaration de son patrimoine. Selon une correspondance envoyée aux membres du cabinet ministériel, le secrétariat de la primature a indiqué que le doyen du tribunal de première instance TPI de Port-au-Prince s'est rendu à la résidence officielle du Premier ministre pour la déposition du patrimoine. À cette occasion, Gary Conille a déclaré avoir effectué cette démarche afin de donner l'exemple à tous les fonctionnaires responsables de la gestion des deniers publics. Il s'est engagé à travailler dans la transparence conformément à l'accord du 3 avril 2024. Le CPT a entamé les actions pour former le Conseil électoral provisoire CEP. Le secrétariat de la présidence a adressé ses correspondances aux secteurs concernés, leur demandant d'envoyer leurs représentants dans un délai ne dépassant pas 8 jours après la réception de la lettre. Le comité du dialogue interfemmes informe avoir reçu l'invitation du CPT pour envoyer une représentante au Conseil électoral provisoire CEP. La conseillère Marie-Denise Claude annonce qu'une élection sera organisée au sein de la structure pour choisir cette représentante. En conséquence, elle invite les organisations féminines à soumettre leur candidature à l'adresse électronique le dialogue des femmes à commercial@gmail.com. Comité dialogue interfemmes, qui est un jeu qui dit fait, l'a informé toute organisation femme et féministe qui a travaillé dans la participation politique femme que lui recevoir une correspondance hier jeudi, qui était 11 juillet 2024 là. Dans l'idée pour lui organiser processus qui pour aller chercher femmes qui peuvent représenter mouvement femmes haïtiennes pour aller dans le conseil électoral provisoire. Processus ça, il est supposé mener en collaboration avec femmes yola. C'est deux structures ça yo mandé qui pour mettre ensemble qui pour faire processus là avancer. Nous dit que c'est dans objectif ça que nous bail point de presse ça matin. Un jour après que nous recevons la correspondance, pour nous fermer tout le monde, organisation femme surtout, pour nous inviter au plus haut inscrit, parce que c'est très important. Élection qui pourra le faire, c'est l'organisation femme qui est pour voter, qui pourra le choisir, qui femme parmi les candidats, qui pourra le venir inscrit, que pour qui est-ce qu'il y a voté. Nous ne sommes pas capables de dire qu'on limite le candidat. Nous avons des organisations de femmes qui doivent venir inscrit, qui doivent venir inscrit comme vous proposez candidat, ou bien vous venez inscrit tout simplement comme monde qui peut vous, comme électrice, qui peut voter pour candidat qui a proposé tête. Donc c'est ça, toute organisation femme, pour vous participer dans le choix femme qui peut représenter le mouvement femme dans le KFDA. Lors d'une réunion vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de prolonger jusqu'au 15 juillet 2025 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies, BINU,
qui devait prendre fin lundi prochain. Le BINU a été établi en Haïti suite à la résolution de l'ONU 2476 en 2019. Il est actuellement dirigé par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Maria Isabel Salvador. Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a révélé que les sanctions telles que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager ont été suspendues contre l'ancien sénateur Yuri Latortue. Selon la journaliste Jacqueline Charles de Miami Herald, l'ambassadeur a appelé à l'application de ces sanctions contre l'ancien président du Sénat de la République. La chancelière Dominique Dupuis a rencontré jeudi l'ambassadeur français Fabrice Moriès. Il a partagé avec la ministre le bilan de sa mission qui approche de sa fin. Ils ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale. D'autre part, jeudi, M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique MJSP, a tenu une réunion avec les bailleurs de fonds afin de discuter du projet de réhabilitation des infrastructures de la justice et de la police vandalisées par les gangs armés. Haïti est classé en deuxième position après Honduras, qui a environ 172 596 citoyens et ont demandé l'asile au Mexique de 2019 à juin 2024. Selon la Commission mexicaine d'assistance aux réfugiés COMAR, Haïti occupe la deuxième place avec 128 596 demandes d'asile au Mexique. Cuba vient en troisième position avec 68 188 demandes, suivi par le Venezuela avec 39 230 et le Salvador avec 36 436. La Radio Lumière pleure le départ du professeur Jean-Clébert Bijoux, décédé jeudi suite à une maladie à l'âge de 81 ans. Le professeur a marqué plusieurs générations à travers ses émissions sur le 97.7 FM. Haïti, problème de déficit de citoyenneté et urgence de construction nationale a été le thème d'une conférence débat organisée vendredi par l'Université André Laroche. Le doyen de l'université, Maître Dorval Richenet, annonce que chaque vendredi, l'université réalisera une activité similaire afin de faire la promotion du développement durable. Suivons ses propos au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Nous toujours organiser genre d'activité sayo, même si c'est pas sous même thème dans chaque jour, dans l'université en Vélaroche. Alors, constat nous fait, c'est que nous avons une société qui crase, qui démantibule. Maintenant, si nous ne faisons rien, elle disparaît net. Et dans ce sens, nous ne pas seulement garder pour nous, nous sommes des professeurs de, justement, de carrière, donc professeurs de Mésards, professeurs réguliers, qui vont nous porter le bras pour que pratiquement nous former, aider les jeunes, aider justement paysans pour que nous ayons un nouveau paradigme pour nous au moins absorber de ça. Et chaque dernier vendredi du mois, nous allons être de commission pour nous organiser ce genre d'activité pour nous contribuer dans le développement du pays. L'attente, nous, c'est que le pays nous vienne au pays qui fait bon de vivre pour tous. Yeah. Et bien, le message que j'ai gagné, c'est que l'Université André Laroche, là dans le pays, elle est en voie justement de développement humain. On jeune, donc, et on va avoir l'autre alternative. C'est l'Université André Laroche, justement, qui choisit. Des citoyens expriment leur méfiance à l'égard des travaux d'assainissement entrepris dans la capitale par le gouvernement, qu'ils considèrent comme une démarche purement politique. Cependant, d'autres évoquent les retombées positives que le nettoyage entraînerait sur la vie de la population. Depuis le lancement de ces activités, plusieurs rues, notamment la rue de Saint-Honoré et la rue de Magloire-Amboise, sont déjà assainies. Et les travaux ont déjà commencé dans d'autres rues aux alentours du Champ de Mars. Normalement, dans l'ensemble de démarches, l'État entreprend pour établir la paix dans le pays, il y a une pile d'ambiguïté. Parce qu'il y a des informations, ou du moins, il y a des démarches où l'État entreprend qui parlent dans la même logique ensemble avec ça, une série de monde à vivre. Il dit moi-même, je suis dans telle zone. Tout temps la paix pour rétablir dans zone pamnan ou bien tout temps pour ouais on bagay ka fait pour zone pamnan pour moi c'est tant que bagay ka fait donc dans démarche ça on va toujours joindre gen une série de monde qui dit ah OK ça yo pou ko fan rien ça yo pou ko fan rien ça yo pou ko fan rien mais tout de même quel que soit ça ta posé pour rétablir la paix dans pays a li a gagne un résultat quand même parce que ça tout monde attend c'est pour bandi mourir pour tout monde ka fonctionner
c'est ça pour moun yo, c'est ça qui la paix bandi moun. Si moun gade force là normalement là qui vini ça bon force multinationale là j'entends moi même beaucoup wè fanyen parce que j'aime te dire là beaucoup wè fanyen dans zone pam nan bandi ka pou mèdèm yo beaucoup wè touye yo. Il est vrai que c'est pas première fois agent de cas ça répéter, mais pour qu'on y a là c'est pire parce que nous venons réaliser que journée aujourd'hui presque plus fort commissariat ou pas gain la pas gain policier là des policiers pas oublier ou gain comme travail protéger et servir population. Les citoyens réclament des mesures de sécurité de la part des autorités pour pouvoir vaquer à leurs activités en toute tranquillité. Suivez. Et pas moi qui fort dans pays et pas moi qui qu'on fait analyse et pas moi qui patriote. Tout le monde ça pour me tailler à gain yo qui plus passer dans pays au niveau l'état. Donc si vous pas font bailler pas plus. Et bien, je vais dire, mais c'est un ranger pays, mais c'est un fait ceci, un fait cela, un fait cela. Si vous avez une possibilité pour une prise de conscience, vous connaissez. Mais, quant à vous qui en bas, même j'en avais mieux, je conseille vous, pour un petit temps, garder et comprendre ce qui s'est passé. Parce que dans ce moment-là, vous n'avez pas et que, en pile, nous suivons, dans le peuple, là, c'est suivre le courant d'idées. Je ne veux dire là il bandit tout le monde OK nous vivons à bandit OK n'a payé nèg pour passer là tout le monde là dedans non il va pas on va entamer on démarche faut garder est-ce que le bon il va passer tout le monde à faire pour faire tout c'est pas passer tout le monde a dit tel monde pas bon mais c'est pas passer tout le monde a dit tel monde bon mais il va faire un bagage pour me dire tout suivre analyser pour être position bonne position qui côté lié pour une histoire pour que il établi du normal mais pour qu'il tape église de nord qui rentre là. Je suis allé à la gouvernement pour dire un mot. Pour me tenir la caille, je suis allé pour nous, pour le faire. Il a souffert trop. Mettez sécurité dans le pays. Je suis allé tourner la caille. Je suis allé à la caille. Pour vous, mal fondé ça à un côté. C'est vous qui faites le pays mal comme ça. Plus loin, ils expriment leur opinion partagée sur l'éventualité d'un dialogue entre l'État et les gangs armés. Certains d'entre eux s'opposent fermement à l'idée de réinsérer des bandits armés, même s'ils déposent les armes après avoir commis autant de crimes. En revanche, d'autres estiment que si les responsables parviennent à désarmer les gangsters, le dialogue pourrait être envisagé. Suivez. Normalement, dans l'ensemble de démarches, l'État entreprend pour rétablir la paix dans le pays, il y a une pile d'ambiguïté. Parce que il y a des informations, ou du moins, il y a des démarches que l'État entreprend qui parlent dans la même logique ensemble avec ça, on série de monde à vivre. Elle dit moi-même, la m'étais dans telle zone, tout le temps, la paix pour qu'on rétablisse dans la zone Pamnan, ou bien tout le temps, on va faire pour la zone Pamnan, pour moi, c'est un coup de bagarre qu'on fait. Donc, dans la démarche, ça, on va toujours joindre une série de monde qui dit ah, ok, ça, il y a beaucoup de faim, ça, il y a beaucoup de faim, ça, il y a beaucoup de faim. Mais tout de même, quel que soit ça, tu as posé pour rétablir la paix dans le pays, il y a un résultat quand même. Parce que ça, tout le monde attend, c'est pour bandi mouri pour tout le monde qui a fonctionné. C'est ça, pour moun yo, c'est ça qui la paix, bandi mouri. Si moun gade force là normalement là qui vini ça bon force multinationale là j'entends moi même beaucoup wè fanyen parce que j'aime te dire là beaucoup wè fanyen dans zone pam nan bandi ka pou mèdèm yo beaucoup wè touye yo. Il est vrai que c'est pas première fois agent de cas ça répéter mais pour qu'on y a là c'est pire parce que nous vini réaliser que journée aujourd'hui presque plus fort commissariat ou pas gain la pas gain policier là des policiers pas oublier ou gain comme travail protéger et servir population. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.